Et aujourd'hui, I'm with... Ethan! Ethan! Ethan, aujourd'hui, we're in front of my window, my kitchen window. Oui, pourquoi? Why is that? Ben, je voulais te montrer quelque chose. So, look at this, Ethan. It's a spider! C'est une araignée. Do you know why je vous montre une araignée aujourd'hui, Ethan? Because you like bugs? I do, c'est vrai, I do like bugs. Here's all the bugs, toutes les insectes dans mon appart. Here is a cicada, une cigale dans une petite peau. Here is plein de papillons dans mon salle de manger. J'ai aussi des cockroaches, cafards partout dans mon appartement, mais c'est pas des vrais, c'est des faux. Butterfly picture on my fridge that Jessica made for me. J'ai aussi des insectes dans mon salle de bain, comme rideau de douche, shower curtain, bugs on top of my miroir, une abeille au-dessus de ma porte de chambre, d'autres insectes à côté de mon lit, a bunch of bugs beside my bed, butterflies, this huge crab spider thing, beetles. Wow! Et à côté de ma porte-clé Kamaswipi, I have a bug keychain, des tattoos d'insectes, comme vous voyez. J'ai aussi des boucles d'oreilles, earrings that are butterflies. Thanks, Vanessa, for these beautiful earrings. So, do you want to learn about the bug in my window? Oui. Oui, all right. Fait que voici des facts of the spider living in my window. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, cette araignée? Non, je connais pas. Non. It's called the grass spider, l'araignée de pelouse. Fait que ça, c'est un des plus common species of spiders in Quebec. You've probably seen it before. Probably, yeah. Probably. Ça vient d'une famille d'araignées that is called funnel web spiders. Ça veut dire que c'est pas une de toile d'araignée normale comme qu'on voit, wow, beautiful spider webs. Non. C'est une toile d'araignée mais en cercle, so it looks like a cave, it's like a funnel that they have to crawl into. And they usually make them in grass, donc ils vont faire leur toile dans du gazon ou ils vont faire dans des objets in our backyard ou on the landscape, like des tables de pique-nique, comme dans cet instant, in this circumstance, my window. Ces araignées sont souvent brun-jaune en couleur and they have two black stripes on their backs. Les femelles are about half an inch of grosseur. Does that make sense? Yep. Okay. Les mâles sont d'habitude un petit peu plus petits que les femelles. Grass spiders are really fast movers. Fait qu'ils vont se tenir à le fond de leur tunnel. They'll stay inside the tunnel. And when they feel the vibration on their web from a bug that landed on it, they'll run out fast. Ils vont courir pour aller attraper l'insecte puis le manger. Donc quand ils sentent les vibrations sur leur toile, ils vont courir pour aller chercher les... Ouais. Fait wow. Qu'ils vont rester dans le trou de la toile. Après ça, ils vont sortir, manger le dîner. Do you think that the grass spider is poisonous? Don't think so. Je pense pas que les grass spiders sont poisons parce que tu as dit qu'ils étaient très communs. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont pas poisons, they're not poisonous, but they're venomous. Ils sont venimeux. Mais c'est différent ça. Mais pour les humains, si un grass spider te mord, if it bites you, ça va juste irriter un peu, ça va faire ouf, comme une moustique un peu. It feels like a mosquito bite, mais c'est plus venimeux pour les autres insectes. Fait que quand ils vont attraper les insectes, ils vont le injecter avec du venom, some venom, et ça va leur faire pour plus qu'ils bougent, pour qu'ils puissent leur manger. Ouais. Ça c'est très intéressant. Fait que les femelles, quand ils pondent leurs œufs, usually spiders have a egg sac. D'habitude ils ont comme une petite poche d'œufs, mais dans cet instant-là. Ils n'ont pas de poche, they don't have a sac. They actually spread a layer of silk. Ouais, ils vont faire une couche de soie. Après ça, ils vont pondre leurs œufs dessus.
Après ça, ils vont couvrir, they're gonna cover the eggs that they put on the silk with tons and tons and tons of layer of silk to make sure that they're secure pour être sûr que ça reste là. Puis c'est ça, ils vont pondre leurs œufs direct avant l'hiver, so right before winter. Les œufs vont rester là tout l'hiver, they're gonna stay there all winter. C'est pour ça aussi qu'ils mettent plusieurs de couches, mm-hmm. That's why they put a lot of layers too, to keep it warm during the winter. Et après ça, in the spring, le printemps, toutes les bébés vont sortir. There's like hundreds of babies, des centaines de bébés grass spiders, araignées qui vont sortir. Ils vont aller faire leur toile, their web somewhere else. Mm. Ah, pretty cool, hein? Mm-hmm. Ceci, il y a deux autres araignées ici, mais c'est pas des grass spiders. These are different types of spiders, ouais, non? Ouais, ça ressemble pas. Non, c'est une différente sorte d'araignée. Called the hobo spider. Oh! Ouais, c'est une autre sorte de funnel web spider. Intéressant, hein? Oui. Peut-être dans une autre vidéo, on peut apprendre about the hobo spider. Oh yeah, Kayla, please! Oui, ok, sounds good. Merci Ethan d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Learning about spiders, des insectes, une des choses que j'aime beaucoup, beaucoup. Et on va te voir à la prochaine. Oui. See you again, oui. Merci Camper! Merci! À la prochaine! Bye!